Meghan Markle, pas si sûre d'Elba Oblique. Ce nouveau bijou contre le mauvais œil. C'est une femme à bijoux, qui aime particulièrement les bagues. Depuis ses fiançailles avec le prince Harry, en novembre 2017, Meghan Markle en a glissé plus d'une à plusieurs de ses doigts. La plus remarquée? Celle de ses fiançailles et ce dont le fils cadet de Charles a supervisé la création, bien évidemment. Très en vue également, cette aigue marine ayant appartenu à Lady Diana, qu'elle arborait le soir de son mariage, en mai dernier, ou encore aux Antipodes, à l'automne. On vous épargne l'énumération de modèles fantasy plus accessibles. Alors qu'elle s'apprête à célébrer Noël, avec sa rivale Kate Middleton, mais aussi d'autres membres de la famille royale pas des plus chaleureux, au château de Sandringham, la duchesse de Sussex, qui ne pourra pas se réfugier derrière sa mère Doria Ragland un temps annoncé, semble vouloir appeler sa bonne étoile à l'aide. Alors qu'elle rendait récemment visite à des intermittents du spectacle retraités, à la Brinsworth, à Londres, la très compétitive épouse d'Harry a ainsi dévoilé une bague étonnante, un modèle de la marque turque Kismet Milka mettant en évidence une main avec un œil à l'intérieur. Un symbole la Kaansa utilisé par les habitants d'Afrique du Nord et du Proche-Orient pour se protéger du mauvais sort. Prix de cette amulette ornée d'un saphir, 262 €. Le prix de la tranquillité /